Bienvenue chez Opel. Après le tour d'Europe des salons pour le prototype, l'Opel Ampera de série s'est dévoilé ici à Genève. Pas de grandes révolutions dans le style et la forme. L'Ampera roulera en permanence à l'électricité avec une puissance de 150 chevaux. Elle possède toutefois un moteur essence qui est là pour fabriquer de l'électricité quand la batterie est vide. Les 40 à 80 premiers kilomètres, selon le rythme, utiliseront les batteries. Ensuite, la voiture pourra continuer grâce au moteur thermique. L'autonomie passe ainsi à 500 km et même beaucoup plus en faisant le plein jusqu'à l'arrivée. Une fois à destination, la voiture se charge sur une prise électrique en 4 heures. Le rendez-vous Genevois nous a aussi permis d'apprendre que l'Opel Ampera proposera plusieurs modes de fonctionnement, normal, sport, montagne ou maintien de charge. Ce dernier permet d'utiliser directement le générateur essence pour réserver la batterie avant un parcours en ville. Cette voiture électrique à autonomie étendue arrive fin de l'année. Elle a déjà enregistré 1000 réservations. Le prix sera identique dans tous les pays, 42 900 euros, TVA incluse, mais sans les déductions et primes éventuelles.